Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro du mois de janvier. Je me suis dit que j'étais partie. Donc on va aller faire le quatrième signe qui est roulement de ventre. Ok, donc il ne veut pas m'en sortir. Hein. Donc on va choisir au pif et ce sera les poissons. Poisson, signe ascendant lunaire solaire, c'est vous qu'on va aller voir tout de suite pour ce mois de janvier. Ok. Tout se casse la gueule. C'est le message. C'est le message qu'on voulait vous faire passer. Les poissons, tout se casse la gueule. Super Claire. Mais écoute, franchement, c'est top. J'ai envie de revenir sur ta chaîne. Je la trouve sympa. Il y a des messages positifs. Allez, on est parti tout de suite pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire. J'arrête de dire des bêtises et je vous fais le tirage avec les artisans, les voix des artisans de lumière, là, la voix des artisans de lumière, pour aller voir un message général pour le mois de janvier. Les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Waouh! Oula! D'accord, bah vous en avez deux. Anna, grand-mère de Jésus, semez la lumière, posez des fondations, vous avez un plan divin. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu d'âme. Putain, là c'est spirituel pour vous. Hein. Excusez-moi, mais... Donc là, on a vraiment, je ne sais pas si vous voyez ces cartes, mais quelque chose vraiment de l'ordre du divin. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des médiums, des cartomanciennes, des personnes qui aient leur chaîne ou réellement qui aient des grosses capacités qui vont se réveiller. Vous êtes appelés, là, les poissons, à faire quelque chose de plus grand. Hein. Alors, je ne sais même pas où la mettre, celle-là. Peut-être là. J'espère que vous allez la voir si je la mets ici, comme ça, mettons. Vous la voyez, si je la mets là, comme ça. Ah, c'est le bazar, hein. Eh ouais, c'est du direct. Comme ça, vous avez tout. Je me suis pris la tête. Vous la voyez même pas. Meuf qui se prend la tête pour chi, quoi. Ok. Fais voir, et si on remonte un peu ça, c'est embête quand même que vous la voyez pas, je vous le dis. Hein. Et voilà. Elle est contente, vous la voyez, sa petite carte. Donc, il y a vraiment cette notion de... Ouais, de quelque chose de christique et de guidé, hein, là. Là, pour moi, vous allez mettre un pied, là, au mois de janvier, dans votre mission de vie. Alors... Pas que vous allez être tout de suite dedans, peut-être, mais peut-être qu'il va y avoir des espèces de rêves prémonitoires, de synchronicité. Vous allez vous prendre des trucs... vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de potentiel, j'ai l'impression, spirituel, que ce que vous pensez, là, les poissons. On va aller voir avec les petites sirènes quel est le message pour vous. Régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. Ouais. Ouais, le mois de janvier, vous réaccordez vos violons, en fait, là. Le mois de janvier, c'est ça. Vous êtes en train de vous restabiliser parce que vous êtes amené à vibrer plus haut pour, vers quelque chose d'autre. Hein, vous voyez, endurance, continuer. On vous dit qu'il faut continuer. Bon, alors, certes, endurance, continuer, on vous dit qu'il faut continuer. Mais des fois, je dois vous faire rire, franchement. Même moi, je me fais rire des fois. Ok. On va aller voir les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, quel est le message pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, le pape, vous êtes guidés. Il y a une dualité, vous n'arrivez pas à faire un choix. On vous dit qu'il va falloir aller chercher cette lumière à l'intérieur de vous avec l'ermite, j'en ai encore deux qui tombent. Mais moi, j'en veux qu'une, donc je vais en prendre qu'une et elle sera en dos de deck. Ouais. Il y a des lourds fardeaux à poser, hein, vraiment. Il y a des lourds fardeaux à poser. Vous allez pouvoir poser ces lourds fardeaux, mais ça a du mal à, vous avez du mal à y voir clair. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de janvier? Vous allez être guidé, là. Vous allez être guidé, vous n'êtes pas tout seul. Il y a vraiment cette notion de faire le tri entre votre tête, votre intuition, votre spiritualité. Un blocage, là, un choix à faire. Il y a un choix que vous n'arrivez pas à prendre, que vous n'arrivez pas à faire. Ça vous bloque un petit peu. Pour ce faire, vous allez vraiment aller à l'intérieur de vous avec l'ermite. C'est une arcane majeure. C'est vraiment une grosse introspection, là. Vous allez chercher ce qui vibre en vous à l'intérieur de vous. Et derrière, vous allez aller pouvoir trouver l'abondance parce que l'ermite va chercher son âme. L'ermite va chercher ce qui vibre au niveau de l'âme et c'est ça qui est très important ici. En tout cas, on vous dit qu'il y a quand même des lourds fardeaux à faire dont il faut vous débarrasser, les poissons.
Il y a des choses qu'il faut poser, la carte sur table un petit peu, puis ça vous empêche d'y voir clair dans une situation, donc il faut vous en délester. Sur le pape, on vous dit que vous êtes guidé avec le 5. Le pape, c'est aussi une arcane majeure. Hein. Donc, c'est, vous n'êtes pas guidé n'importe comment. Vous êtes guidé pour aller vers les bonnes personnes, d'accord? Le 3 de denier, c'est la bonne collaboration, la collaboration avec les bonnes personnes. Vous êtes guidé vers les bonnes personnes dans votre vie, les poissons. Sur le 2 d'épée, il y a cette dualité, un choix à faire. Et qu'est-ce qu'on va vous dire par rapport à ça? Ah oui, ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à faire ce choix. Là, il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, deuxième semaine de janvier, il y a quelque chose qui bloque. Un choix que vous devez faire, que vous n'arrivez pas à faire. Du coup, ça vous bloque, mais vous êtes intuitif. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à vous positionner à faire ce choix. L'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais. L'ermite va vous permettre de jongler entre les situations, va vous permettre un petit peu de vous repositionner, de recentrer les choses au cœur, dans votre cœur, dans votre âme. Et donc, vous allez réussir à jongler au niveau financier, mais pas que. Vous allez jongler entre les situations. J'ai l'impression qu'il faut vraiment débloquer ce pendu et ce 2-là. Ouais, vous êtes en train d'apprendre. Ça me parle de reprendre une nouvelle formation, un apprentissage. Peut-être est-ce pour ça que vous avez besoin de jongler entre les situations et que pour l'instant, vous êtes encore bloqué au niveau de l'abondance. En fin de mois, tout ça se débloque parce que vous allez vers le page d'épée, qui est aussi les anges, c'est aussi le fait d'être guidé, le page d'épée. Le page d'épée va nous parler d'apprentissage aussi. Le page d'épée, il est novice, il apprend de nouvelles formations. Il y a cette notion de réapprendre un travail, un métier, une façon de faire, une façon de réfléchir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage qui va vous amener vers l'abondance, voyez. Il faut se libérer de l'amertume, il faut se libérer du 10 d'épée aussi. Le 10 d'épée va nous parler de tous ces fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Si vous voulez accéder au monde, si vous voulez vous ouvrir au monde, voilà, au monde. Ouais. Et pour s'ouvrir au monde, eh ben, il faut libérer la colère, l'amertume, les fardeaux. Vous avez trop de choses à porter sur les épaules là. Regardez, il y a cette notion d'aller vers des personnes différentes. Il y a aussi cette notion d'étranger. Voyager, aller vers l'étranger. On va vers quelque chose de différent là. On va vers quelque chose de différent et on est amené à aller vers quelque chose de différent. On vous dit que vous pouvez débloquer toutes les situations que vous voulez. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle. Donc, si vous matérialisez, que vous débloquez une situation et que vous arrivez à prendre une décision, à y voir clair et à avancer, vous avancerez sans souci, les poissons. C'est ce qu'on vous dit, tout part de vous. Vous avez la réussite aux examens. Et ça, c'est une très belle carte parce qu'on vous dit que vous allez être victorieux. Vous allez réussir à jongler entre les situations. Vous allez réussir à aller scinder votre âme pour savoir ce que vous voulez aller matérialiser. Et là, vous allez vers un nouveau projet. Ça peut être un enfant, certes, mais ça peut être surtout, pour moi, c'est surtout un nouveau projet. Ça veut dire quelque chose de nouveau, quelque qui vient dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez pouvoir... Soit il y a de l'amertume, il y a de la colère, il y a des lourds fardeaux par rapport à un passé, par rapport à des lignées transgénérationnelles, par rapport à quelque chose qui vous bloque et il faut aller régler le champ énergétique, l'aura, pour aller nettoyer tout ça, avancer vers quelque chose de différent. Mais ce que je sens aussi, c'est que vous allez vers un nouveau projet pro, il y a quelque chose de nouveau vers lequel vous allez là au mois de janvier. Il y a quelque chose qui va se débloquer, une formation, un apprentissage, bien sûr, si vous faites toutes les étapes que vous devez faire avant. Mais... c'est pas que pour vous, ça va être pour votre famille aussi. Vous allez pouvoir laisser un héritage, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez pouvoir laisser un héritage. C'est comme si votre entreprise pourrait être reprise derrière. Vous voyez les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, le mensonge. Ouais, vous allez vers quelque chose de différent. Vous vous libérez du mensonge là. On n'en veut plus du mensonge, de la trahison, vous voyez. Vous pardonnez pour être en paix là. Il y a vraiment cette notion d'être en paix ici. Et si j'ai les deux qui tombent, c'est pas pour rien. Regardez, les racines, quelque chose qui est ancré, le message. On est vraiment, il y a quelque chose qui s'ancre. Vous allez ancrer quelque chose là, quelque chose qui va prendre racine en vous, un nouveau projet, parce que voilà. J'ai l'impression que vous allez remettre un peu de liberté dans votre vie, un peu de légèreté dans votre vie. Il y a cette notion de réponse à vos prières, vous voyez. Vous allez vous aligner, vous allez faire le bon choix, vous allez prendre la bonne route aussi pour vous, là. Ouais. Vous allez voir quelque chose de très positif. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'enfant, là? Oula, la lumière, encore une fois. Vous allez vers la lumière. Hein. Vraiment, ce mois de janvier est très positif pour beaucoup de personnes, hein, sincèrement. Ouais. Il y a l'erreur.
Alors, est-ce que vous faites une erreur? Est-ce que vous avez peur d'être dans l'erreur? Est-ce que... Parce que vous avez un tirage qui est très beau, très chouette. C'est comme si on vous emmenait vers votre spiritualité, qu'on vous mettait des épreuves de vie pour que vous les passiez, que vous rendiez plus, que vous passiez au-dessus, mais vous avez encore des lourds fardeaux, de l'amertume. Il y a quelque chose peut-être qui bloque au niveau héréditaire où vous allez pouvoir le matérialiser pour vos enfants et vous avez l'erreur qui tombe. Alors, est-ce que vous avez peur d'être dans l'erreur? Est-ce que cette erreur est là? C'est compliqué, hein, là. J'ai l'impression que même si vous avancez sur le mois de janvier, les poissons, il y a encore beaucoup de choses à régler là. Oui. Regardez. La reine de deux. Faire fructifier, on vous dit de faire fructifier, d'être plus ancré dans le matériel, encore les racines, l'ancrage, parce que c'est vraiment la terre, le matériel, quoi. Encore une fois, j'ai l'amertume. Libérez-vous des situations qui vous rendent amères, qui vous rendent un peu triste, en colère. Voyez ce que je veux dire? Encore un 8 de bâton, hein. Ouais, encore un 8 de bâton. C'est pas, on vous dit que rapidement, il faut vous libérer de tout ça, quoi. Il faut que ça aille vite, hein. Il faut vous libérer de colère, d'amertume, de fardeau, de choses qui sont trop lourdes à porter. Puis il faut que ça aille vite, en fait. Ouais. Ouais, 5, 6, 7, trahison, mensonge, tromperie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, trompé, dupé, menti, hein, là. Vraiment, une personne ou une situation. Vous avez été dans l'erreur. Et ça, il faut couper. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, en fait. Il faut avancer. Parce que, ouais, vous voyez, c'est ça qui va vous mettre dans. Ça va vous empêcher de dormir, ça va vous mettre dans l'insomnie, le mental. Vous allez avoir besoin de vous protéger, vous voyez. Ouais. Vous allez réussir à vous stabiliser. Il faut que vous arriviez à vous stabiliser par rapport à ça, là. Peut-être des personnes qui vous ont trahi, trompé, blessé. Ça vous a beaucoup perturbé. Mais si ça vous perturbe, c'est pas pour rien. C'est pour vous faire aller vers votre spiritualité, vers quelque chose de plus grand que vous avez à faire, les poissons, ici. Regarde, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Prends ton pouvoir, laisse... De côté des conseils extérieurs, écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Croyez en vous. Voilà ce qu'on vous dit pour le mois de janvier, les poissons. N'hésitez pas à mettre un petit like, même un gros like. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'on le dit, mais on ne le répétera jamais assez. Ça nous fait remonter sur le fil d'actu. Il faut bien comprendre que ça nous permet d'avoir plus de visibilité et d'être plus accessible dans les algorithmes. Donc, c'est une manière de nous dire merci pour ce tirage. C'est toujours sympa. Un petit like, un petit commentaire, un abonnement, une activation de notif, parler de la chaîne, partager les vidéos si elles peuvent parler à certains de vos amis. Voilà, le site internet ne va pas tarder, il est bientôt en ligne, bientôt, bientôt, là, mois de janvier, ça devrait être bon. Moi, je vous embrasse fort, je vous ferai les sentimentaux dans un deuxième temps, comme d'habitude, et je continue les autres tirages. Ciao, ciao!